Bonjour et bienvenue à nouveau pour une nouvelle recette Luminarc. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un gâteau aux clémentines. Nous avons de la crème liquide, un petit peu de levure, 3 œufs, de la poudre d'amande, de la farine, bien entendu de la clémentine auquel je vais utiliser le zeste, le sucre et le beurre et un moule auquel on a ajouté une petite feuille de papier sulfu pour pas que ça attache. Nous allons commencer par émincer très finement le zeste. On ajoute notre sucre. Donc là, j'ai ajouté mes zestes de clémentine dans le sucre et on va les laisser simplement infuser et après, on va tout broyer, tout piler au robot. Comme ça, on va extraire le jus et ça va bien infuser dans le sucre. Donc là, on a notre beurre pommade qu'on va juste blanchir légèrement et surtout qu'on va laisser un peu reposer à température ambiante. Donc ça qui a infusé, et d'ailleurs on voit, hein, on a notre clémentine qui commence un petit peu à perler, hein, qui commence à s'humidifier avec le sucre. Donc ça c'est parfait, ça commence à confire. Hop là. Donc attention aux oreilles. Donc voilà, là, hop, c'est bien, on a un petit peu concasser notre clémentine, ça sent bon. Notre beurre, il doit être maintenant pommade. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les œufs un par un, entiers bien sûr. Hop. Voilà. Donc on va en rajouter 3. Notre beurre en crème, on a ajouté nos 3 œufs un par un. On rajoute maintenant notre sucre qu'on a au préalablement mixé avec nos zestes de clémentine. Donc on voit bien que le tout est humide, donc toute l'eau a dégorgé, c'est ce qu'il faut. On rajoute ça à notre mélange beurre et œuf. On ajoute notre farine en pluie, tout doucement. On va essayer d'éviter les grumeaux. Ensuite, on ajoute, pour agrémenter un petit peu, notre poudre d'amandin. On ajoute notre levure. Et là, pour apporter un petit peu d'onctuosité dans notre gâteau, on rajoute de la crème fraîche. Et notre gâteau est terminé, prêt à mettre au four. On vient verser là, notre four est préchauffé à 180. Nous y mettons notre gâteau pendant une heure. Donc notre gâteau est cuit, 180 degrés pendant une heure. Hop, on le retire du four sans que je me brûle. Voilà. Il est bien doré, à souhait. Voilà notre gâteau, il est cuit, on a coupé une petite tranche. C'est bien évolué, c'est bien aéré, ça a bien cuit. Prêt à déguster, ça sent bon la clémentine. Bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette Luminarc.